tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous montrer une idée de table de Noël dans les tons argentés et blancs qui soit à la fois simple et très chic. Donc je commence à mettre ma nappe, c'est une nappe argentée que j'avais trouvée chez Babou. Vous en trouvez différentes sortes dans les magasins, sur la Farfouille, enfin vraiment pour la période de Noël, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Je mets ensuite un chemin de table que j'ai trouvé chez Maxi Bazar. Celui-ci, c'est un chemin de table effet neige parce que je vais ensuite mettre de la neige et j'avais envie de donner un petit peu un côté hiver à cette table de Noël. Je dispose ensuite mes assiettes qui viennent de chez La Redoute de la collection de l'année dernière. Franchement, elles sont superbes. Elles ont des petits pois argentés. Je mets ensuite mes verres à eau qui viennent de chez Conforama. Ce sont des verres blancs opaques. Et mes verres à vin qui viennent de chez Maison du Monde. Vous pouvez les retrouver, je pense, tous les ans. Je les vois tous les ans, ces verres-là. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Mes couverts, pareil, viennent de chez Conforama. Ce sont des couverts noirs. Puisqu'on est dans les tons argentés noirs, donc j'ai vraiment voulu faire ce côté-là. Et la petite touche de doré un petit peu dans les assiettes pour donner un petit peu un côté féerique et que ce ne soit pas non plus trop blanc, trop argenté. Alors si vous le voulez, vous pouvez mettre très bien des sets de table hein, sous chaque assiette. Moi je mettrais des sets de table ronds, mais là j'avais pas forcément envie. Ensuite, je mets une guirlande lumineuse à pile. C'est une guirlande en forme d'étoile. Et pour cacher les fils, je mets, vous savez, une espèce de coton qui fait fausse neige que vous trouvez justement dans les décorations de Noël. Hein. Voilà, donc moi je mets, en même temps, je cache le boîtier avec. Je rajoute un bougeoir, je ne sais pas si vous le voyez, celui-ci vient de chez Yankee Candle, qui a un effet miroitant silver. Il est vraiment très joli ce miroir. Je rajoute ensuite deux petites bougies chauffe-plat dans des récipients à verre que vous pouvez trouver chez Ikea. Et je saupoudre ma nappe de petites étoiles argentées en plastique que vous pouvez trouver dans n'importe quelle farfouille. Donc là, vous voyez que j'ai éclairé la guirlande et cette lumière bleue va vraiment rappeler l'effet froid de l'hiver et vraiment l'ambiance que j'ai voulu créer sur cette table. Un petit peu un effet givré de Noël. Donc je vais passer maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire que je rajoute mes assiettes pour l'entrée. Et je vais ensuite passer au pliage des serviettes. Alors là, j'ai voulu faire des étoiles filantes. Donc pour cela, vous prenez une serviette en papier que vous dépliez en deux. Et vous allez ensuite, à partir du coin, essayer de former un triangle que vous allez plier. Voilà, une fois votre triangle formé, vous rabattez le côté et on va faire de même de l'autre côté de la serviette, donc à partir de l'autre coin de la serviette, vous reformez un triangle. Pareil, on rabat le tout et là on a formé en quelque sorte nos branches. Mais pour donner un côté beaucoup plus festif et étoile filante, on va enrouler la serviette, ce qui va lui donner une espèce de dynamisme. Et lorsque vous la dépliez, voilà le résultat. Alors rien ne vous empêche en haut de votre serviette de fixer une petite pince, vous savez, des petites pinces avec des sujets que l'on trouve parfois dans les magasins. Donc il existe des petites pinces avec des étoiles, avec des petits Pères Noël, vous savez, vous pouvez mettre aussi des porte-noms. Donc voilà le résultat, j'espère que cette table vous plaît, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.